7h du matin, le port de Sète est encore endormi. Chez Clémentine, tout le monde n'est pas bien réveillé non plus. Allez, on se dépêche de manger. Comme chez toutes les mamans, la journée débute doucement. C'est les moments où les minutes sont comptées, alors on est concentré. Ouais, on est super concentrés. Ce n'est qu'après avoir déposé les enfants à l'école que sa journée de travail démarre. Clémentine est chef. Avec son mari Sébastien, elle a ouvert son propre restaurant il y a 3 ans. Là, il est 9h30. Et moi, le matin, j'ai toute la petite mise en place de pâtisserie. Enceinte de 8 mois, elle alterne entre la cuisine et la salle. Au déjeuner, le couple se partage toutes les tâches. Et je fais beaucoup de kilomètres dans la journée. Dans le milieu encore très masculin de la gastronomie, de plus en plus de femmes parviennent à s'imposer au rang de chef. And then one lobster, one lamb. Oui. Mais souvent, le moment où elles réussissent coïncide avec l'arrivée des enfants. Horaire à rallonge, présence indispensable au restaurant midi et soir, comment être mère sans freiner sa carrière? Il y a du sacrifice. Nous avons suivi 3 femmes dans leur quotidien de chef et de maman. Clémentine à 7, Flora Mikula à Paris et Hélène Darroze à Londres. Comment font-elles pour jongler entre leur travail et leur vie de famille? Nous sommes à Londres, dans l'un des plus luxueux palaces de la ville. Pour diriger la brigade, c'est la landaise Hélène Darroze qui a été choisie. Rien n'est laissé au hasard dans son restaurant 2 étoiles. How are you this morning? Very well. Ready for a busy service? The philosophy for the guest is the products and the emotions and of course the authenticity around the product. But that's the main. Hélène Darroze dirige 2 autres établissements à Paris et Moscou. C'est l'une des rares femmes à s'être imposée à un tel niveau. Table 28, 2 lunch menu. Oui. Sa carrière et son parcours ont dicté ses choix de vie. Elle a attendu d'avoir 40 ans pour devenir maman. Si j'avais été maman à 30 ans, je ne serais pas là aujourd'hui, je pense. Hein. À 30 ans, c'est vraiment le moment où il faut donner le coup d'accélérateur. C'est à ce moment-là que moi, j'ai vraiment percé, éclaté. Donc, si j'avais été maman, j'aurais levé le pied sur le travail. Aujourd'hui, elle n'a pas tout à fait levé le pied. Mais même au bureau, la famille n'est jamais loin. La chef travaille entourée des photos de ses 2 filles adoptives. Depuis que je suis adolescente, je savais un jour que j'adopterais des enfants. Donc, c'était complètement ancré dans mon histoire depuis toujours. Et puis, je me suis beaucoup battue. Par contre, ça, c'est sûr que j'ai remué ciel et terre. Là, j'ai utilisé tous les contacts que je pouvais avoir. Je me suis battue dans tous les sens. En semaine, c'est surtout contre le temps qu'elle se bat. En tant que chef, elle doit être partout et pas uniquement au moment des repas. Donc là, on fait des testings. Après, je dois avoir Mirko, le sommelier. Après, j'ai une conférence call avec Moscou. Et après, à 3h30, normalement, je suis à la sortie de l'école aujourd'hui. Voilà. C'est seulement entre les 2 repas de la journée qu'elle peut passer du temps avec ses filles. À 15h30, même quand elle est très occupée, Hélène se débrouille toujours pour passer à la sortie de l'école. Nous, la chance, c'est ça, c'est qu'on habite dans un périmètre. On habite à 5 minutes du Connaught, à 5 minutes de l'école. Et oh oh, hello! Ça va? Voilà Kitri et voilà Charlotte. Charlotte, elle va avoir 7 ans dans 3-4 mois. Et Kitri, 5 ans. Quand Hélène n'est pas avec ses enfants, c'est Marion, la nounou, qui les garde. Cet employé à plein temps est une aide indispensable à Hélène pour pouvoir mener sa carrière librement. Moi, j'adore aussi. Toi aussi, t'adores l'éclair au chocolat? Oui. Après un goûter londonien, immortalisé par maman... J'Instagram, moi. Je mets tout sur Instagram. Les filles rentrent toutes les 4 à la maison. L'occasion pour Charlotte et Kitri de profiter de leur maman. Car Hélène, contrairement à beaucoup de mères, va devoir repartir au travail dans peu de temps. Non, parce que ce matin, en rigolant, j'ai dit « Ouais, puis il y a une caméra, vous allez vous maquiller, alors tu pars avec... » Allez, on y va Une pause précieuse dont elle profite au maximum. On est prêts. Oh, mais dis donc, mais t'es super bien maquillée. Et toi, voyons? Ah ouais, je vois, vous avez bien fait ça. Une pause précieuse dont elle profite au maximum. J'ai vraiment une faculté, en effet, de passer d'un monde à l'autre, même du mode vacances au mode travail, ça va, du mode week-end au mode semaine. Il y a des soirs où c'est difficile de repartir au travail. Hein. Une dernière photo au passage, mais à 18h30, il est déjà l'heure pour Hélène de retourner au restaurant. À la maison, Marion prend le relais. Éducatrice, elle habite avec la famille, c'est elle qui gère le quotidien et les emplois du temps.
Ça, c'est pour dire quand Hélène est à Paris, en fait. C'est plus facile à gérer pour elle l'absence de savoir voilà, quand est-ce qu'elle va partir, combien de nuits elle sera pas là, combien de nuits elles pourront dormir dans le lit de leur maman. Si Hélène Darroz se fait aider par une nounou, chez Flora Mikula, une autre chef, c'est papa qui s'occupe de la routine. Allez, où ? Stanislas, 14 ans, et son père Raphaël ont l'habitude de prendre leur petit déjeuner entre hommes. Maman, elle dort dans la chambre, parce qu'elle est rentrée tard cette nuit. Donc voilà, à 7h, elle n'est pas sur le pont. Bon, c'est vrai que j'ai pas trop d'amis qui ont leur maman qui se lève, qui se couche à 3h du matin. Tu rangeras ton peignoir. La maison, c'est moi. Lavage, repassage. Ouais. Rangement, oui. Flora ayant des impératifs plus importants que moi, c'est logique que ce soit moi qui m'occupe de ces tâches-là. C'est 2 heures plus tard, et au fourneau, que nous retrouvons la maman, alias Flora. Son hôtel-restaurant parisien emploie 30 personnes. Son mari s'occupe de la partie administrative. Elle dirige la cuisine. Elle y passe souvent plus de 12 heures par jour. Une charge de travail à la hauteur de ses ambitions. Dès que je suis rentrée à l'école hôtelière à 16 ans, c'était pour ouvrir un restaurant, pour vraiment réussir et faire ce que j'aime. J'aurais pas été capable pour mes enfants d'arrêter, de dire je veux 2 ou 3 enfants, mais je mets ma carrière en suspens, non. Ça, c'était pas possible pour moi. Flora et son mari ont choisi de n'avoir qu'un seul enfant. Je préfère en avoir un. Même Raph avait envie qu'on en ait qu'un, voilà. Pour... Même en plein service, son fils chéri qui arrive du collège est toujours bienvenu. Et là, mon bébé. Pour réussir à voir une maman qui se consacre midi et soir à son restaurant, le mieux, c'est encore d'y manger. J'arrive à l'heure où ça va, il n'y a pas encore trop de monde. Donc. C'est devenu la cantine ici. C'est sa maison quand même. Oui. Ça va. Et il ne risque pas de regretter la cantine aujourd'hui. Là, voilà, là, sur l'aubeur de truffes. Je vais pas faire manger les boîtes de conserve à mon fils parce que voilà, il mange pas tous les jours la sole au beurre de truffe. En bonne mère de famille, Flora prépare le repas mais n'aura pas le temps de manger avec son fils et son mari. Mais si on attendait, on mangerait à 16h donc voilà, au mieux on mange 4 repas par semaine ensemble. C'est bon, hein. T'as tout mangé ? Bah oui. Hein. Voilà, comment faire manger du poisson aux enfants ? Vous en mettez un peu de beurre de truffe. Si Flora réussit sa carrière avec autant de liberté dans ses choix, c'est aussi et surtout grâce à Raphaël. C'est lui qui a adapté ses horaires de travail pour gérer la vie de famille. Quand Stanislas part faire ses devoirs, Flora doit s'occuper des commandes du restaurant. Cet après-midi, elle ne pourra rentrer qu'une heure et quart chez elle. À 18h à la maison, pendant sa pause, c'est papa qui contrôle les devoirs. Coucou ! Ça a l'air sérieux. La phrase, ça vous, vous en occupez, ça, ou pas ? Non. Surtout s'il y a papa à côté, je ne veux pas empiéter, voilà. Stop, tu feras ça tout à l'heure. En se répartissant les rôles à l'auberge, comme dans la vie quotidienne, la famille a trouvé son équilibre. Comme disait Stan ce matin... l'air de rien, j'ai des copains qui voient jamais leur papa parce qu'ils sont en déplacement. À la fois, ils voient pas beaucoup sa maman, mais elle est là quand même. Elle est pas complètement absente. Je le vois moins, mais plus intensément. Ça, on aime bien. Par exemple, samedi matin, papa part à l'hôtel très tôt. Nous, on se lève tard. Il vient dans le lit. On aime bien se bagarrer un peu dans le lit. Se faire le petit déjeuner. Donc il va chercher les croissants pour faire plus à maman. Ça, c'était con. De temps en temps, on y va tous les deux. Non, c'est pas de temps en temps. À 19h30, même si elle resterait bien quelques minutes de plus sur le canapé, Flora repart assurer le service du soir. Quand elle rentrera, ses garçons seront couchés. À Londres, c'est aussi une cadence effrénée qui rythme la vie d'Hélène Darroz. La nuit tombée, pendant que la nounou s'occupe des filles à la maison, elle installe son bureau au milieu de la cuisine du palace. Ça me permet à la fois de travailler sur ce que j'ai à faire, de regarder ce qui se passe, de me lever s'il y a des petites choses à corriger. Ok, guys, I see you tomorrow. Conclusion d'une journée de travail quasi continue de 14 heures. Ça fait du bien, l'air frais. Travailler comme ça à huis clos là-dedans. Dans ce bureau sans lumière, enfermé en bas, ça c'est vraiment difficile, quoi. 22h30, elle rentre chez elle.
Et puis ce qui m'attend, c'est mon lit. Non, là, je vais pas faire de vieux os. Un dernier mail professionnel. Le bilan de la journée en photo. J'ai mis Charlotte au piano, Cliquitriqui cuisine. Et voilà, pour demain. Et évidemment, un dernier câlin à ses filles. À 7, Clémentine, elle, ne gère pas une table étoilée. Pourtant, la jeune chef de 31 ans et son mari, tous deux diplômés d'une prestigieuse école hôtelière, ont débuté leur carrière dans de grands restaurants. Mais après la naissance de leurs enfants, ils ont revu leurs ambitions à la baisse. L'idée, c'était de pouvoir jongler entre le métier qu'on aime faire et notre vie de famille. Et on l'a fait pendant pas mal d'années de façon conventionnelle, c'est-à-dire en travaillant le soir, le midi, en coupure. Et pour moi, c'était pas quoi, c'était compliqué de le faire. Je dis pas, hein, y a beaucoup de gens qui le font, mais pour moi, ça allait pas avec ma vie de maman. J'avais envie d'être le soir à la maison avec eux. Et donc, c'est l'idée de notre concept. Il est né comme ça, justement, de pouvoir travailler le midi et de faire des activités annexes. Les activités annexes, ce sont des cours de cuisine, le salon de thé l'après-midi et surtout l'épicerie fine, juste à côté du restaurant. Ça y est, vous avez trouvé votre bonheur ? Grâce à ces compléments, à 19h, elle pourra fermer boutique. Ça va, Marius ? Et être de retour pour le bain. Son choix de vie lui permet de profiter pleinement de ses enfants. Moi, je suis contente de le partager avec eux, mais c'est pas forcément le moment le plus cool de la journée. Et ma mère qui a mouillé mon cotelien. Et voilà, ça, si j'avais un resto traditionnel, ben ça, je le vivrais pas, quoi. Et pour l'instant, c'est facile avec deux. Avec trois, ça va se compliquer. Le chef enchaîne avec le service du soir. Qu'est-ce qu'on mange, maman ? On va manger de la saucisse avec de la purée. D'accord. Ça te va ou tu préfères aller au resto ? Non, ça me va. Les enfants, c'est prêt à table ? Seulement 4 couverts, un jeu d'enfants. On a des clients exigeants, hein, même ici le soir. C'est un gros bisou. Une histoire et au lit. Et enfin, quelques heures pour souffler. Normalement, il y a un métier très prenant. Et là, grâce à notre concept, on a réussi à faire le métier que j'avais choisi de faire. Et en même temps, j'arrive à vivre ma vie de maman à 100%, quoi, vraiment. Chacune à leur manière, Clémentine, Hélène et Flora prouvent que l'on peut vivre de sa passion sans sacrifier sa vie de famille.